Au nom de la France et du pouvoir qui m'habite, mes chers compatriotes ont été mis en branle. Nous ne pouvons plus reculer. L'impact est imminent. Alors, détendez-vous et appréciez la victoire. Profitez, quoi qu'il en coûte. C'est bon, ça me fait plus rire. C'est bon, allez, au revoir. Expervianus ! Ben voyons. Je vais te fumer sur le Coran. On n'est pas dans le monde de oui-oui. Pardon, ras-le-bol. C'est pas sérieux. Ouh là là, qu'il est méchant. Il dit, j'emmerde les Français, il dit des gros mots. Emmanuel Macron ne mourra pas. Je ne tomberai pas dans le piège qu'il me tend et qu'il nous tend. Ah, vous êtes là ? Bonjour. Bonjour, je suis Amixem. Bonjour, je suis Amixem. Ah. Oh non ! Quelqu'un aurait pas vu ma tête ? Ah, parce que je la cherche depuis des jours, hein. Amixem is dead. Amixem est définitivement éliminé du YouTube pour bien. Et rip and peace. Ça, c'est très rigolo. Ça me fait rire. Mais on est chez les fous. En 4 années au Rassemblement National, j'en ai vu des choses. Et moi, j'ai attaqué personne. Faut pas venir m'attaquer. Si on me cherche, on me trouve. Chier le cul par la bite! Le vin Starfallah! Mais non! Mais tu fais quoi là? Attends! Mais c'est le gâteau de ma soeur ça! Là t'es en train de faire le ramadan là! Vous devez le lèvre, je t'en ai réagi, attends! Nous sommes en guerre. Moi je suis socialiste. Et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Pour ma part, je suis de gauche. Un programme ? Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Il n'a pas de conviction avérée. Il dit tout et son contraire. C'est le en même temps. L'argent ne se mange pas. Ah, la tête de ma mère ! Il ne se respire pas. Il ne saigne pas. Ou alors on devient très dangereux. Les Astin expliquait aux jeunes qui font chauffeur Uber de manière volontaire qu'il vaut mieux aller tenir le mur ou d'y aller. Pour Monsieur Trump comme pour moi, c'était une première expérience. Je pensais que c'était pour les gamins. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Hein? La chétonne! Pas, attendez messieurs, ne le sortez pas. Non, moi je ne vous tutoie, ni ne vous tourne quoi que ce soit. Et mettez pas des papiers partout parce que quelqu'un va les ramasser, ce sera pas vous. Moi j'ai pas de leçon à recevoir du petit milieu parisien. Oh ah ouais, vous c'est pas la tentation. C'est pas la tentation. Hey, relax Jabaoud. Mange pas un coup de coupe dans tes dents, je m'appelle pas Jaoué. Un type qui apparaît dans les clips des djihadistes, de ses clips à lui, avec des gonzesses à moitié à poil, où l'alcool coule à flot. Vous avez tué l'industrie, merci. T'ouvres encore ta gueule. Putain de raciste. Allez baiser vos grands-mères. On va continuer à vous baiser les rebeux. On va continuer à streamer. On va continuer à être là sur la grosse chatte à ta mère. On va être partout. Allez sur ce, bonne soirée. Je mets pas dans le même sac un type qui exécute des enfants d'une balle dans la tête et les enfants qui sont morts. Enfin je suis pas débile. Un truc que je comprends pas. Il y a vraiment un truc que je comprends pas. On est 55 milliards sur Terre. Et faut que ce genre de bail, ça arrive à une personne. Et cette personne c'est qui? C'est WAM. Vaincre Emmanuel Macron. Il s'agit de redonner un avenir à tout un peuple et de refaire de la France un moteur de l'histoire. C'est la mission que nous nous sommes confiés et nous n'avons pas le droit d'échouer. On va bientôt crever là, oh! Dans pas longtemps, on est destiné à avoir une troisième guerre mondiale. Pour le peu de temps qui nous reste, faut rigoler, par bête de merde, non? Les lobbies LGBT, pour moi, c'est des sectes qui inventent des histoires cousues de fil blanc. Ici, nous sommes dans un pays libre. Si, effectivement, certaines communautés trouvent qu'elles ne sont pas respectées suffisamment, alors que la France est pourtant l'un des pays, sinon le pays, où il y a le plus de tolérance au monde, eh bien, libre à ceux qui sont pas contents, qui nous emmerdent avec leurs complexes et leurs délires, d'aller se faire cuire un œuf. Oui, Emmanuel Macron, c'est le vide et c'est un adolescent qui n'est pas fini. En désaccord total avec ça. Les lobbies antiracistes aussi. Il faut extirper la propagande de l'école. Depuis 30 ans, j'ai des enfants, je veux dire j'ai eu quand ils étaient petits, quand ils étaient collégiens, j'ai suivi
leur scolarité, j'ai regardé les cours et les programmes. C'est une machine à propagande du politiquement correct, antiraciste, LGBT, etc. C'est un scandale. Il faut extirper ça de notre école. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est quoi cette merde? On fait quoi là tout de suite? On insulte qui là? Achète un monde à la bénale, chétan. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République. Macron, je vais te fumer sur le Coran. Amen. Tuez-les, tuez-les. Ou dans les moules. Mais on est chez les fous. Grenade, grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Attention, les jeunes. Ça, allons, les enfants de la patrie, pyramide, entre nous, c'est la pyramide. Quand allons les enfants de la patrie, entre nous, c'est la pyramide. Ah, ça va chier. J'en ai vu des choses. Wallah que j'en ai vu des choses. Votre soutien m'honore et m'oblige. Merci pour tout, merci pour vos encouragements, merci d'être derrière moi dans cette entreprise historique pour que la France reste la France. Surtout, continuez à interagir, à commenter, à liker les vidéos et surtout à les partager.